Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver, mesdames, là, sur le plateau de votre émission Mac Andy en ce mercredi 16 mars. Je vous souhaite un bon début de soirée, encore plus si votre journée a été comme la météo du moment, c'est-à-dire maussade. Les masques, c'est fini. Enfin, pour le moment. Alors, profitons-en. Avec Sonia Mahabir, ce soir, nous parlerons de jeunesse, bien sûr, mais de réussite surtout à travers la danse notamment, et précisément le concours régional de danse. Sonia, prête pour un petit pas de deux ? Pas de problème, Steve, merci en tout cas de me recevoir. Bonjour Steve, bonjour Kimi, super Kimi, comment ça va ? Oui, c'est super Kimi. Oui. Donc Madame Privet Nicole, qui est présidente d'honneur de la Confédération Nationale de Danse Région Guyane, sera avec nous. Nous aurons également en Zoom Kimberley Outside, danseuse professionnelle qu'on ne présente plus. Tout à fait. Alors, qui n'a jamais entendu parler des fameuses soirées 50-50 ? Ce soir, nous poserons la question de savoir Zouk rétro ou Zouk nouvelle vague ? Tout cela grâce à Super Kimi. Ça va, Super Kimi ? Oui, enfin, ça va. Toujours, mais quand je suis avec vous, hein, ça ne peut que bien aller. Alors, vous êtes nouvelle vague ou Zouk rétro ? Old school. Old school. Rétro. Ça qui bande. Franchement, ouais. Ce sera dans quelques instants. Et Erasmus, alors, est-ce que vous savez qui était Erasmus ? Non ? Oui, mais on vous laisse le C'est mieux. Comme de par hasard. Alors, voilà. Il faut savoir que Erasmus était un moine néerlandais qui avait pris pour habitude de voyager à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe pour s'enrichir de différentes cultures et développer son humanisme. Donc, il était donc normal qu'on donne son nom à ce système universitaire qui permet aux étudiants, mais pas que, de voir du pays. Et pour en parler, nous recevrons avec beaucoup de plaisir Frédéric Lumeto Ipolo. Elle est avec nous cet après-midi. Nous allons parler d'Erasmus, non pas ce moine néerlandais, mais de ce projet qui permet à tout un chacun de pouvoir communiquer, partir, apprendre à travers des voyages, grâce à Frédéric Lumeto Ipolo. Bonsoir. Bonsoir. Première question, comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Erasmus, c'est un dispositif qui est mis à la disposition de tout le monde. Tout le monde. Ouais. Enfant de 3 ans à une personne de 97 ans, c'est ouvert à tout le monde. On reste sur le cliché étudiant, mais c'est faux. Depuis 7 ans, Erasmus est ouvert à tout le monde et pour tout type de formation. Effectivement, le cliché, parce que moi, on m'en parlait, j'étais à l'époque, quand j'étais étudiant, on me disait, ouais, c'était que les étudiants qui pouvaient partir, voyager, échanger, mais aussi les enseignants. Alors, ça a été ouvert depuis 7 ans maintenant, ça a été ouvert justement pour ce qui est inclusion, parce que l'idée d'Erasmus, c'était aussi d'aller découvrir l'autre, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour découvrir l'autre, il ne faut pas forcément être à l'école, il ne faut pas forcément étudier, il ne faut pas forcément être enseignant. Donc, ça a été ouvert vraiment largement. Et à ce jour, on a mis en place des bureaux territoriaux Erasmus. On en a un à Macouria. C'est une chose parce que sur tout le territoire français, il n'y en a que 7. Et il y en a 3 dans les Antilles Guyanes. Donc ça va, pour une fois, on est bon. Kiki Widor. C'est comme ça, j'aime bien dire Kiki Widor. Donc c'est super. Et en l'occurrence, justement, on monte des dossiers. Là, une prochaine date pour le 23 mars. Les dates précédentes, c'était pour ce qu'on appelle des mobilités individuelles. Donc je décide d'aller faire de la danse du ventre en Turquie. Ben, je peux y aller. Là, il y a un groupe en Turquie, justement, de jeunes. Je décide d'aller voir comment mes collègues d'Aruba travaillent. Ben, là, il y a un groupe de jeunes de Macouria qui sont à Aruba entre aujourd'hui et demain pour travailler avec d'autres jeunes dans le cadre de l'association. Là, en ce moment, tout à fait, ils sont encore dans l'avion, ils m'ont pas encore envoyé de message. Mais dans le cadre de l'association, ils y sont et ils vont travailler avec des jeunes d'Aruba, de Saint-Martin, de Curaçao et de Norvège et d'Espagne. Voilà. Oui, excusez-moi. Mais du coup, si c'est ouvert à tous, quels sont les prérequis ? Parce que ça m'intéresse. Il n'y a pas de prérequis, justement. C'est vraiment ça le cliché qu'il faut faire tomber. Il n'y a pas de prérequis. Je veux faire de la cuisine grecque. J'ai un contact grec, ou l'association vous donne un contact grec. Je vais aller apprendre de faire de la cuisine grecque. Alors attendez. Là, ça a l'air juste exceptionnel. Mais c'est avec nos sous de nous-mêmes. C'est la question. Erasmus donne une bourse. Je suis allée faire de la danse turque en Turquie il y a 3 ans. Frédéric, oui, moi. J'ai même des photos. Je ne devrais pas vous les donner. On est allé et effectivement, on a travaillé autour de la minute de la danse et à la fin on a offert une prestation au niveau de la mairie de cette ville qui était Afyon-Carizar à 7 heures de la grande capitale. C'était magnifique, c'était génial et je découvrais la Turquie et Erasmus a payé la subvention. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les subventions enseignement et formation, etc. Ces formations au sens large,
Donc, je vais être, je fais une formation dans le cadre de mes études, etc. Pourquoi pas? Mais je peux faire une formation en tant qu'employé. Je décide d'aller rencontrer une télévision portugaise. Vous pouvez y aller, quand vous voulez, tout à fait, avec des partenaires. Il y a même un programme Erasmus que j'ai dû envoyer pour les radios qui ont un programme Erasmus en ce moment. Alors, vous pouvez vous adresser. Bonjour, la direction. J'aimerais bien. J'ai une petite question. Oui, je crois qu'on veut tous partir. C'est ça. Formation au sens large. Brésil, Portugal. Brésil, Portugal. Je choisirai ma destination. Alors, on revient. Effectivement, est ouvert à tous, sauf que les Erasmus les plus simples, forcément, c'est ceux vers l'Europe. Mmh. Et les un peu plus complexes, ça va être le monde entier. Afrique, Caraïbes et tout, okay. Qui s'est ouvert aujourd'hui. C'est pas que c'est fermé, c'est ouvert. Sauf que les appels, quand ça concerne les pays autres, vont être un peu plus complexes que les appels beaucoup plus simples. Voilà. Ça va être, c'est toujours la même longueur, mais c'est un peu plus complexe. Là, aujourd'hui, nous, au niveau de la structure de l'association, on a monté ce qu'on appelle un Erasmus basique, Aruba, Curaçao, tous les territoires européens, pour que des adultes puissent partir en formation. On adhère à l'association, on dit, OK, j'ai envie d'aller en formation, ou alors, comme c'est le cas pour la collectivité territoriale de Guyane qui a adhéré à ce consortium, la mairie de Macoria de Wanari, et même la mairie de Sinamari, ils ont dit, bah, nous, on veut bien faire partir notre personnel. Donc, ils ont intégré le consortium que nous avons monté. Wow. Il y a 7 ou 8 structures, dont des associations, par exemple le CCAS de Macouria, etc. Ouais. Ils ont tous adhéré et ils vont faire partir leur personnel à partir de juillet. Alors, plus sérieusement, il faut quand même... c'est pas la villégiature, on part pas comme ça. Il faut quand même avoir un projet construit. Un projet construit, une formation possible. Sur notre site internet, il y a une liste de formations possibles. Donc, il y a des cours Erasmus qui sont mis en place par des partenaires européens. Ou alors, on se dit, bah, moi, individuellement, la dernière fois, par exemple, je suis partie en Espagne pendant 1 mois et demi parce que mon niveau en espagnol n'était pas bon. Donc, le matin jusqu'au soir, j'ai pris l'option intensif et je suis allée faire de l'espagnol pendant 1 mois et demi. Je commençais à 8h, je finissais à 15h. Mais après, j'étais disponible, j'étais libre. Ouais. On fait du tourisme. L'idée, c'est vraiment, je vais découvrir l'autre. Ouais. Dans tout. Et on peut recevoir aussi. Petit détail, j'oublie toujours. On peut partir, mais on peut recevoir. Et on a reçu, nous, au niveau de la mairie de Macouria, on a reçu des jeunes de Tenerife qui sont venus en Guyane. Et là, on a la possibilité de recevoir des personnes spécialisées dans un domaine, puisqu'on a des publics parfois qui n'ont pas forcément les papiers pour partir. Ouais. L'idée, c'est de dire, OK, je fais venir un spécialiste, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui fait de la musique, peu importe. Ouais. Histoire de faire un échange. La personne vient, c'est pris en charge aussi par l'agence Erasmus. Très bien. Sonia. Alors, très concrètement, juste avant que vous me fassiez une démonstration de danse turque, très concrètement, pour justement adhérer à ce concept et pour en profiter, dépendait des fonds européens, c'est toujours un petit peu, les gens ont un petit peu peur, ils se disent, bon, il y a vraiment le côté administratif qui peut être très très lourd, comment dois-je m'y prendre, est-ce que je dois faire une avance de trésorerie en plus pour bénéficier de ce programme, quelle que soit la destination d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Ça va dépendre de la modalité. Nous, au niveau de l'association, clairement, on peut faire une petite avance de frais. C'est-à-dire qu'on va donner 60 à 70% de la subvention. La vraie problématique qui va se poser, c'est que derrière, il faut que j'ai la garantie que la personne me ramène l'attestation de présence à son stage. Qu'elle a bien fait son stage du lundi au mardi, au vendredi, qu'elle ne s'est pas arrêtée le mardi pour aller voir quelqu'un. Qu'il me faut les coupons de vol pour bien prouver qu'il a voyagé. Donc, tous les justificatifs qu'on donne toujours quand on va dans une formation. Merci. Mais toute la partie administrative, par exemple, actuellement, nous, au niveau de l'association, on s'en est déjà occupé. Après, il y a aussi l'option où une structure se dit, moi, je veux postuler moi-même. Et donc, je vais tout gérer. Nous, on accompagne. On est un bureau territorial en même temps, bureau territorial Erasmus. L'idée, c'est de dire, on va appeler pour demander de l'aide. Comment j'inscris ma structure sur la base de données européenne? À quel moment je peux postuler? Quels sont les dossiers de candidature? Est-ce que je peux regarder? Quand est-ce que je peux postuler? Etc. Donc, nous, on aide aussi à ce que les structures postulent. Okay. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Frédéric. Je pense que vous allez recevoir un package de l'équipe Macandy. On va venir vous voir. Et puis surtout, on va revenir vous voir pour cette fameuse démonstration de danse turque. Oui, voilà. Je vais vous envoyer, vous allez la faire à votre retour. Ça marche. En tout cas, merci de nous avoir apporté toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pourrez noter toutes ces informations en regardant simplement le replay ou en allant sur la page de Guyane la Première. Musique, juste avant de retrouver Mika Dogé. Droit.